Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes aussi dans la joie de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Seigneur, et aussi la tristesse dans notre cœur, de pouvoir réellement aussi savoir que notre Seigneur a ses décisions, de ce qu'il prend, ses décisions, il est souverain. Amen. Il y a plus d'hommes de pouvoir répondre à notre précieux frère et qu'il puisse entrer à la maison. Et comme Job le dit, l'Éternel, notre Dieu, a donné, notre Seigneur aussi a repris. Et son Saint-Nom soit béni. Nous le remercions vraiment pour tout ce temps et il nous a accordé aussi la grâce d'avoir cet homme sur la terre pour pouvoir réellement le servir. Et je remercie Dieu. Enfin, que le nom du Seigneur soit béni. Nous lui sommes reconnaissants et nous remercions pour sa bonté, sa grâce à notre endroit encore ce matin. Ce que nous tenons dans sa maison pour les louer, les glorifier, comme notre bien-aimé frère l'a lu dans les Saintes Écritures, qui nous enseigne vraiment à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse divine, pour que nous sachions que nous sommes tirés où est-ce que nous allons aussi. Et comme il a dit, nous avons été tirés de la poussière et nous nous retrouvons aussi à la poussière. Nous le remercions vraiment pour cette grâce qui nous a accordé. C'est douloureux. Et le cœur aussi est touché, brisé à l'intérieur. Savoir que ce sont des moments aussi difficiles. Nous le remercions de ceux qui nous donnent toujours la force et le soutien aussi. Nous allons reprendre les Saintes Écritures. Comme le Seigneur, notre Dieu, a une façon à lui de pouvoir faire les choses. Il est merveilleux et il est glorieux dans sa façon de faire les choses. Et notre Sauveur a une sagesse incomparable. Amen. Il est vraiment Dieu dans sa façon de faire les choses. Et c'est une grâce lorsque nous sommes appelés et surtout qu'en étant appelés par lui, qu'il nous ait aussi ouvert le cœur et l'esprit pour que nous comprenions les choses qui appartiennent vraiment à cet appel que le Seigneur nous a adressé. C'est vraiment une grâce extraordinaire ce que ce Dieu qui est le Dieu du ciel puisse s'abaisser et arriver à pouvoir réellement à parler à des hommes. Et non seulement cela, mais parmi les hommes, il t'accorde toi la grâce pour qu'il te donne sa pensée. Amen. C'est peut-être une chose que vous trouvez habituellement normale pour vous, mais lorsque vous pouvez réellement vous asseoir et rentrer en vous-même et penser à cela, alors c'est aussi le respect. Amen. Et la crainte et beaucoup de reconnaissance. Vous savez que dans les Saintes Écritures, la Bible nous dit que la connaissance, effectivement, que l'homme amasse, effectivement, l'amène à pouvoir se glorifier. Donc, elle enfle, c'est-à-dire l'amène à pouvoir toujours se sentir beaucoup plus élevé par rapport aux autres et qu'il est plus instruit que les autres, ainsi de suite. La Bible dit que la connaissance, elle enfle vraiment. Un homme a cela et devient beaucoup plus heureux. Et aussi, nous voyons que dans les Saintes Écritures, que la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Cela veut dire que si nous associons maintenant l'orgueil à la connaissance, évidemment, nous voyons que s'il y a la chute, c'est que la chose ne vient pas de Dieu. Alors, nous voyons que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Alors, la connaissance qui vient de Dieu t'amène à l'humilité. Amen. Et là, nous réalisons qu'effectivement, que ça, c'est vraiment le travail que Dieu fait en moi. Et aussi, c'est vraiment Dieu qui s'est révélé en moi. Amen. Donc, quand Dieu se révèle en toi, il y a ton cœur, effectivement, qui s'humilie de plus en plus. Amen. Parce que ce qui vient de Dieu ne peut pas élever ton cœur, mais va réellement mettre ton cœur dans la condition telle que tu puisses considérer que tu n'es rien. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous pouvons voir que tous les hommes, ces saints qui ont servi le Seigneur et qui ont été donc
les Écritures ont relaté, comme l'apôtre Paul, dont je parle souvent, il dit, mais la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie, je l'ai reçue comme grâce. Amen. Donc il a reconnu parce que, voyez-vous, lorsqu'il avait la connaissance, il n'était pas de Dieu. Alors il était tellement orgueilleux, pharisien, né de juif, ici, Benjamin, puis circoncilé le huitième jour, et il prenait les autres comme étant des hérétiques, ainsi de suite, des persécuteurs. Il dit bien, quant à la loi pharisienne. Mais il dit, mais quand il a plu à celui qui m'avait mis en main, de révéler à mon son fils, alors là, je suis allé dans le désert. Quelque chose est venu, il dit, mais tous ceux qui faisaient de moi aussi un grand que je pouvais regarder les autres, mais ils ne connaissent rien. Je les ai regardés comme un grand. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors quand le Seigneur, notre Dieu, la Bible le dit aussi, hein, pour que nous puissions comprendre cela, dans Matthieu chapitre 11, je pense que c'est cela, il dit, mais je te loue, j'aime beaucoup cela, parce que l'Écriture ajoute en quoi dit, mais il tressaillit de joie. Il tressaillit de joie. Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, et de ce que tu as voulu ainsi. Hein, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées aux enfants. Regardez la nature d'un enfant. Regardez son attitude, effectivement, comment est de l'enfant en réalité. C'est tout à fait un enfant. Donc quand vous lui dites, l'enfant est dans cet état. Il dit, mais tu les as révélés aux enfants. Et c'est cela la grâce que Dieu accorde à un homme et une femme. C'est la chose que chacun de nous doit arriver à pouvoir réellement chercher, à pouvoir avoir en lui. C'est aussi l'humilité. L'humilité. Et l'orgueil qui pousse l'homme à se sentir plus que les autres. Que Dieu puisse accorder la grâce. Si tu es un fils de Dieu, prie pour ça. Amen. Pour que le Seigneur te donne tellement la simplicité que même quand tu connais. Vous savez, quand on observe les grands hommes de la parole, le Seigneur lui-même, quand il était sur la terre, vous seriez là, frère, vous le verrez, quand vous êtes assis là, vous le méprisez comme vous avez le mépris. C'est sûr et certain. Tout ce que vous pouvez dire, nous connaissons, moi je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. Ce que vous faites aujourd'hui, en ce temps, pendant la parole de Dieu, ce que vos réactions-là, vous l'auriez fait en son temps aussi. Parce que quand il se mettait au milieu de gens, on ne pouvait même pas reconnaître, croire que c'est vraiment lui le Messie. Parce que les gens avaient une autre image, effectivement, et puis, vous savez, la stature des tous et Caïphe et tout cela, c'était pas. Vous savez comment la Bible disait de lui? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour la terre. Il s'était élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Brisé et humilié, rejeté de tous, évidemment. Personne parmi vous ne pouvait, moi que Dieu a donné la grâce, mais ne pouvait arriver ce jour-là. Vous pouvez même être là, hein, l'entendre prêcher, l'entendre parler, effectivement. La même réaction que vous avez aujourd'hui. Vous savez combien d'années, effectivement, vous êtes venu à Christ? Combien d'années et combien, effectivement, le Seigneur se bat toujours pour pouvoir vous montrer toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour vous. C'est de votre moi. Combien de fois Dieu n'a dit pas ça, mais combien de fois vous le ramassez toujours? Même ces jours-là, si vous y étiez. Et c'est vrai, on parle. Pharisiens, celui Seigneur, comment il pouvait réagir, effectivement, mettez-vous un peu vous aussi dans le contexte. Comment auriez-vous réagi en ce temps? Comment est-ce que vous aurez eu à pouvoir? C'est une grâce que vous faites. Que le Seigneur ait eu à pouvoir accorder. Alors tous ceux qui, dans son temps, avaient eu cette grâce, comme Siméon, comme Anne, comme tant d'autres, effectivement, Pierre et les apôtres, effectivement, ont eu la grâce, leur réaction était tout à fait aussi différente. Alors, ils pouvaient se tenir, effectivement, là, et ils avaient aussi reçu cette grâce de marcher avec lui, et s'asseyer aussi là, ses pieds aussi, comme Marie, comme Marthe, effectivement. Ils avaient quelque chose de particulier, c'est que
ils avaient reconnu effectivement, malgré que pour les autres à l'extérieur, ça, ils ne représentaient absolument rien, surtout pour le Sanhédrin. C'est important ce que vous entendez, tout ce que nous allons dire. Très important. Malgré tout cela, évidemment, d'une certaine manière, ils avaient quelque chose de dompteur, en fait. Ils ne regardaient pas comme les autres regardaient. Ils regardaient effectivement ce que Dieu voyait dans l'homme. Et c'est ça qui est aussi important, une grâce que Dieu accorde à l'homme. Je suis toujours touché de ce que je vois dans les Saintes Écritures. Et quand Joseph et Marie ont amené l'enfant au temple là, effectivement, pour être présenté. Il était comme un enfant ordinaire que tout le monde pouvait voir passer, vraiment passer à côté. Mais Siméon, non. Pour Siméon, c'était différent. Quand Siméon est arrivé, effectivement, le regard qu'il a posé sur cet enfant était un regard tout à fait particulier. Alors, c'est une grâce pour nous quand Dieu peut aussi s'approcher de nous, et qu'en s'approchant de nous, qu'il puisse réellement aussi nous parler, et non seulement nous parler, mais nous ouvrir en fait un tableau pour que nous puissions réellement voir et aussi réaliser. Vous savez, c'est une chose que les gens, qu'on entend, que la Syrie nous bat de l'autre côté là-bas, puis vous savez, l'Iran est avec la Syrie. Et puis, vous savez aussi, par les nouvelles aussi, que la Russie aujourd'hui, avec les jeunes qui ont eu un pouvoir à faire, les choses ont été aussi dures. La Russie a montré effectivement sa suprématie. Il a dit que non, moi c'est comme le droit de l'auto, je ne veux pas qu'on puisse arriver à pouvoir attaquer la Syrie. Écoutez, c'est attaquer la Syrie, parce que les autres nations étaient là avec force, si vous voulez, aller là-bas comme ils ont eu à pouvoir jeter les bombes, effectivement, chimiques, ainsi de suite. Donc, puisqu'ils l'ont utilisé, il faut maintenant qu'on puisse se répliquer comme on avait fait pour l'Irak. Et quand ils sont allés maintenant, pour pouvoir arriver à pouvoir se retrouver pour prendre des décisions, eh bien, la Russie dit non, on ne peut pas, il faut attendre l'ONU, mais l'ONU est très ouverte aussi, effectivement. Donc, la solution de frapper, donc, la Syrie est en train de se réunir. Alors qu'on voit bien comment les présidents là-bas, massacrent, fait ce qu'il y a à pouvoir faire, il le fait. Et les nations sont là en train de regarder. Et quand ils veulent faire, la Russie dit non, vous ne touchez pas. Le Chinois aussi dit non, vous ne touchez pas. Parce que nous, nous voulons protéger notre ordre. En dépit de tout ce que les autres peuvent être détruits ainsi de suite, eh bien, nous mettons notre droit. Que personne d'autre, jusqu'à ce que nous puissions arriver à pouvoir. Évidemment, certainement, c'est vrai que bon, on entend, on dit, oh oui, mon frère, vous avez, vous voyez, dans la région, là, ça brûle, ça travaille de l'autre côté, effectivement. Alors, on se rend bien compte, parce que c'est vrai que quand la Russie s'est mise en place, on parlait de droit du Nord, vous savez, il faut les manifester à pouvoir aller les pierres. Alors, mais vous ne voulez pas. Comment vous ne voyez pas ce qu'il en est? Je voulais que vous puissiez comprendre une chose, frère. C'est vrai que les gens se focalisent sur ce qui se passe de l'autre côté. Chaque fois qu'il y a un événement, effectivement, vous voyez, donc ça veut dire que c'est proche, ainsi de suite, de cette manière. Alors regardez ce qui est vraiment triste. Votre attention, s'il vous plaît. Regardez ce qui est triste. Les prédicateurs, ils vous envoient de pouvoir regarder ce qui se passe en Syrie, aussi avec la Russie et tout ça, pour dire que voici donc ce qui montre que le Seigneur est proche. En fait, c'est l'action là-bas. Ça veut dire que quand l'action commence là-bas, ça veut dire que Dieu est en train de faire l'action là-bas pour montrer effectivement que le temps est proche. Mais la question que je me pose est celle-ci. Bon, on voit l'action là-bas, il vous montre l'action là-bas. Mais je voudrais bien qu'il vous montre l'action que Dieu fait parmi son peuple. Le plus important, ce n'est pas l'action de là-bas. L'action en nous. Que je sache que les bons tombent là-bas, qui est Gog et Magog, ça c'est bien. Mais alors, mais à moi maintenant, puisque oui, la région est en train de voir être la diminution. Mais moi alors, quelle est l'action que Dieu fait maintenant? Vous voyez, oh frère, vous êtes notre frère, il faut que vous puissiez voir la chose au principal. Nous sommes, ce qui nous concerne, nous, c'est le travail que Dieu veut faire avec nous.
Et ce que nous devons réellement savoir, ce qu'il en est, certainement, nous voyons ce qui se passe, mais la question de pouvoir savoir, où est-ce que nous sommes? Je sais qu'il n'y en a pas ici, mais en rapport avec moi et le Seigneur, et où est-ce que nous sommes effectivement? C'est là que nous pouvons arriver à pouvoir aussi remercier le Seigneur, notre Dieu, dans le temps dans lequel nous vivons depuis le temps que le Seigneur a accordé la grâce pour cet homme d'être visité, puisque les Saintes Écritures nous disent Dieu a une façon particulière de pouvoir faire les choses, mon frère et ma soeur. Et nous devons connaître ce Dieu dans sa façon de pouvoir faire les choses, afin que nous ne soyons pas surpris. Il a toujours été clair, notre Dieu, il dit, mais deux seront dans un lieu. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux seront dans la chambre, hein, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux boudons ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissé. Deux seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. La question est de pouvoir savoir, effectivement, Seigneur, où est-ce que moi j'en suis? Qu'est-ce que je suis en train de pouvoir vivre aujourd'hui avec toi? Est-ce que je marche toujours la tête en l'air ou bien il y a quelque chose qui se passe en moi? C'est qu'il doit y avoir quelque chose comme un réveil. Un réveil dans le cœur d'un croyant pour le ramener aux choses qui sont donc essentielles. Nous allons prendre les Saintes Écritures dans le livre que vous connaissez bien, dans le livre des Actes au chapitre 15. Acte au chapitre 15. Acte 15. Donc, nous lisons à partir du verset 12, il dit « Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta par la basse de Paul. Ils racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu de croyants. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme, frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'un peuple de son nom, et avec cela s'accorde la parole du prophète selon lui écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tombe de David. J'en reparlerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » La Bible nous fait savoir que ce sont des choses qui sont connues de notre Dieu de toute éternité. Amen. Dans Matthieu, au chapitre 24, lisons l'Écriture, comme nous avons eu l'occasion de pouvoir lire. Matthieu, chapitre 24, lisons ici, à partir du verset 29, Matthieu 24, verset 29, dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur le lieu du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du fil. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été approche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la mort. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Vous avez remarqué comment le Seigneur a eu à pouvoir
décrire des choses et aussi répondre, et puis donner aussi en fait à ses propres disciples réellement l'élément nécessaire qui doit réellement leur faire comprendre réellement la situation et les temps dans lesquels ils se trouvent. Parce qu'il était bien clairement parlé, la question était concernant donc la fin. Vous vous souvenez, non? Et je voudrais aussi tirer votre attention ici, dans l'Écriture, regardez comme ça. Le Seigneur, il dit ceci, je pense que c'est cela ici, verset 33, il dit, « De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Amen. Regardez une chose ici dans Matthieu au chapitre 23. Matthieu 23, verset 20. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Verset 34. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous le persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Malachie, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Vous suivez très bien ce que j'ai dit? Que vous avez tué entre les temples et l'autel. Verset 36. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen. Alors, nous avons lu avec vous au chapitre 24, effectivement, et là au verset 34, il dit, « Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Et ici, il nous fait savoir une chose, verset 34, chapitre 23, « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez, crucifierez les uns, vous battrez les verges et les autres dans vos synagogues, et vous le persécuterez de ville en ville, afin qu'il retombe sur vous. » Tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, les justes jusqu'au sang de Zacharie, fils de Malachie, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. C'est quand même extraordinaire lorsque l'on lit les Écritures, et comme on a lu là, il est bien parlé de la génération. Et ici aussi, le Seigneur parle effectivement que. C'est là aussi donc que tout cela retombera cette génération, sur cette génération effectivement comme il a dit, donc quoi effectivement, mais sans qu'ils ont versé effectivement et comme il a bien décrit effectivement la chose. Je voulais, frères et sœurs, que vous prêtiez attention pour que vous puissiez vous rendre compte que par rapport avec les saintes écritures, c'est une grâce de la part du Seigneur que vous ayez la grâce de pouvoir lire et de pouvoir saisir les choses de Dieu. De pouvoir, quand on nous parle effectivement de la grâce de Dieu, la visitation dans le temps dans lequel nous nous trouvons, nous devons être reconnaissants au Seigneur. Amen. Il faut que vous reconnaissiez d'abord une chose, c'est que le Seigneur a envoyé la lumière pour le peuple en rapport avec la lumière qui concerne la lumière. Vous direz, mais qu'est-ce que cela veut dire effectivement? Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc il y a bien un peuple, effectivement, auquel le Seigneur a envoyé. Envoyé. Et c'est vrai, frères et sœurs, si nous pouvons réaliser cela, nous pouvons ici comprendre aussi qu'il est bien parlé, effectivement, que dans les temps dans lesquels nous vivons, que le Seigneur, notre Dieu, a envoyé la parole, la révélation, donc Dieu a eu à pouvoir révéler sa parole. Et si cela est ainsi, effectivement, alors nous réalisons une chose, que lorsqu'il est question de la révélation,
En fait, c'est une relation entre Dieu et son Église. Amen. Pas quelqu'un d'autre, mais entre Dieu et son Église. Parce qu'il a dit à Pierre, lui, mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas toi, c'est mon père qui a dit dans la maison. Sur cette révélation que tu as reçue, je bâtirai mon Église. Amen. Et les portes de l'enfer, tu ne m'en feras pas contre. Donc il s'agit effectivement d'une relation entre le Seigneur et son Église. Et son Église, effectivement, c'est son peuple. Et son peuple, effectivement, c'est son corps. Parce que toutes les églises qui sont sur la terre, effectivement, ne sont pas les églises du Seigneur. On a les noms, effectivement, églises, mais en fait, c'est un rassemblement. Et quand il est parlé de l'église, effectivement, du Seigneur, c'est le corps de Christ. Que vous connaissez, effectivement. Et alors, comment, effectivement, on devient l'église du Seigneur? Il faut être dans le corps de Christ. Et comment nous entrons dans ce corps, effectivement? Mais nous y entrons par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc nous comprenons qu'effectivement, que tous les rassemblements que nous avons sur la terre, ce n'est pas l'église de Christ. Ce sont des lieux de rencontre. Donc effectivement, pour que la chose nous soit aussi donnée, c'est pour cela que nous devons comprendre que quand on parle effectivement du message du temps du soir, la parole de Dieu pour ce temps, effectivement, ça n'a pas été envoyé à tout le monde. Il y a un peuple tout à fait petit et vraiment humble et petit auquel la parole du Seigneur a été adressée. Et c'est ce peuple-là, effectivement, dans cet état dans lequel le Seigneur l'a placé, recevra effectivement la grâce du Seigneur et la compréhension, effectivement, des choses de Dieu. Son cœur ne peut jamais s'élever. C'est pourquoi j'ai toujours dit à pouvoir répéter, frère, et je le répéterai encore, j'ai dit, tout ce qui se réfère à William Branham et aussi à son ministère et tout ça, ne sont pas tous époux. Mais tout un chacun, effectivement, a le droit de pouvoir s'y référer. C'est normal, effectivement. Mais pour qu'on soit l'épouse, il faut avoir l'Esprit de Christ en soi. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Christ, effectivement, te positionne en vérité dans les choses de Christ, effectivement. Et là, tu peux comprendre, effectivement, l'importance de ce qu'on appelle la parole, la lumière du temps du soir. Parce que la Bible dit qu'au temps du soir, là, la lumière paraîtra. Afin que nous puissions saisir aussi ce que Dieu attend de nous en tant qu'un peuple qui est. Alors, nous l'avons lu avec vous ici. Avec, on cite simplement le nom du frère, on voit les gens qui étudient et commencent à prendre des attitudes tout à fait bizarres. Je dis, avec moi, vous allez vous fatiguer. Et si vous vous sentez mal à l'aise, vous fuirez un jour ici. Mais ça, vous devez le savoir. Je ne cherchais pas des copains ou des. Je ne sais pas, moi je n'en ai vraiment pas besoin. Amen. Parce que quand je me tiendrai devant la barre du jugement, vous ne serez pas là. Je serai seul. Alors que ce que vous pensez de moi, c'est n'importe quoi. Ce qui est important pour moi, c'est que je sers Dieu. Amen. Et quand vous vous sentez mal à l'aise que ces frères exagèrent, vous pouvez partir. Nous l'avons lu dans les Saintes Écritures. L'Écriture nous fait savoir que. Il dit, mais le sang de tous ces innocents, effectivement, il dit, il retombera sur ces lignes. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Et dans Matthieu 24, juste en tournant, effectivement, la page, il dit, mais cette génération n'est pas sans preuve que tout cela n'arrive. Alors maintenant, nous allons voir, effectivement, faire combien le Seigneur est tellement parfait. Pour que nous puissions réellement aussi avoir l'assurance, la certitude, effectivement, du positionnement dans lequel Dieu nous a positionnés et aussi l'emplacement dans lequel nous nous trouvons par rapport aux Saintes Écritures. Ici, il a bien parlé de la génération, frère. Et quand le Seigneur a parlé de cette génération, il a d'abord décrit, regardez très bien, comment les choses se passent, effectivement. Il est ici, verset 34, Matthieu 23. Il dit, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes. Il faut bien comprendre, frère, que c'est absolument important que chaque parole de Dieu soit laissée, effectivement, dans le contexte dans lequel Dieu l'a annoncé, pour que nous puissions voir l'image totale, effectivement, du tableau. Amen. Et il est important que nous recevions le Saint-Esprit pour réellement nous placer les choses à leur juste place. Afin que nous ne soyons pas embrouillés. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne s'agit pas de répéter ce qu'un prédicateur a dit,
Mais il s'agit de pouvoir réellement avoir l'expérience. Et aussi comprendre aussi par la grâce du Seigneur ce que le Saint-Esprit a dit par le prédicateur. Amen. Autrement, nous serons en lien. Et je vais vous poser la question. À quoi ça sert de pouvoir prendre la Bible, lire l'Écriture, répéter tout ça simplement? C'est comme la prière de notre Père qui est aussi. Prenons l'exemple, nous venons ici. Je dis, bon, frère, on va se. Frère, bon, on commence, bon, prions. On prie notre Père qui est aussi, que nous soit sanctifié. Maintenant, après, on doit prier pour notre Père qui est aussi, que nous soit sanctifié. Et puis, on doit prier pour la nourriture, notre Père qui est nous sanctifié. On prie pour les autres, notre Père. Donc, la seule prière qu'on a, notre Père. On répète que notre Père. Quel bien ça va nous faire? Notre Père est le canevas que le Seigneur nous a donné, effectivement, mais il faut maintenant que nous comprenions ce que cela veut dire. Pour que maintenant nous puissions prier. Amen. Ah oui, certainement, c'est vrai, frère. Chacun doit vraiment maintenant s'adresser à Dieu. Amen. Si tous notre Père qui est ton ciel, qu'est-ce qu'on dit au Seigneur? J'ai un souci, j'ai un problème, je suis malade. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Et puis on parle. Notre Père, c'est la même chose de répétition, frère. Amen. Non, il faut que tu puisses avoir été touché, amen, que tu comprennes ce qu'il dit là. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi le prophète a dit ça comme ça. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit ça comme ça. Amen. Il faut que l'on saisisse la pensée. Amen. C'est vrai, frère. Amen. Vraiment. Frère, mais vous restez toujours attaché aux choses immondes. Et c'est tellement, vous savez, les démons, quand ils s'entrent effectivement dans une personne, surtout en rapport avec les doctrines, effectivement, il faut la grâce de Dieu pour l'arracher. Amen. Il faut vraiment une grâce, un nettoyage profond. Regardez ici. Oui. Là, il dit, voici, je vous envoie donc les prophètes, c'est bien, je vous envoie les sages et les scribes, oui. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous, il dit bien, vous battrez les uns chez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin qu'elles tombent sur vous. Tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. En fait, on remarque bien que la manière dont il décrit effectivement et parle en réalité, cela ne concerne pas les nations. Non, la génération dont il est question effectivement, c'est celle-là qui était en son temps, qui écoutait effectivement ce qu'il apportait comme parole, et en fait, il faisait un rapport avec Israël. Amen. C'était un rapport avec Israël. Donc il a été clair, parce qu'il est parlé de génération. Donc c'était simplement un rapport avec Israël, dans le contexte dans lequel il se trouvait avec Israël. Mais maintenant, regardez, quand on prend la Matthieu au chapitre 24, là il décrit maintenant quelque chose. Effectivement, ici, il nous parle d'abord des éléments que nous devons arriver à pouvoir réaliser tous. Il dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune n'aura plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Vous suivez? Et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus, des quatre vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous suivez? Ce n'est plus avec Zacharie dans le cadre effectivement d'Israël, effectivement. Vous comprenez? Amen. Donc maintenant, c'est dans le cadre effectivement tout à fait mondial. Donc les natus sont excités là. Vous avez entendu, non? Maintenant, écoutez très bien. Enfin, il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Là, il ne s'agit pas seulement en rapport avec Israël, le peuple Israël simplement. Il a parlé de quelque chose effectivement qui concernait la fin. Vous suivez? Où toutes les nations sont donc incluses dedans. Et puis maintenant, il dit, mais dans ce contexte, effectivement, je vous donne quelque chose. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Le figuier représente donc Israël, n'est-ce pas vrai? Donc il dit, mais instruisez-vous par cela. Par là, effectivement, d'abord, en général, effectivement, de ce qui va se passer pour, effectivement, les nations comprises, effectivement, et comment, effectivement, la fin va venir. Écoutez. Il dit, instruisez-vous par cela. Regardez cela, frère. Il dit,
Par comment tirer par les figuiers, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Vous comprenez? De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Ici, il s'agit d'une autre génération. Et cette génération dont il est question ici, comme il a décrit, c'est la génération qui aura vécu pendant les temps où le figuier, effectivement, a commencé à bourgeonner. Oh, vous direz, frère, nous le savons. Regardez ceci. Pour que nous puissions avoir vraiment l'assurance, la certitude que Dieu fait les choses, et quand il dit les choses, elles sont correctes dans un programme particulier. Et quand vous verrez cela, effectivement, il dit, mais observez les figuiers. Parce que pourquoi, frère? Après qu'il ait parlé à cette génération, comme nous l'avons lu en chapitre 23, il s'est passé une chose, nous l'avons entendu avec vous, n'est-ce pas? Donc, Jérusalem, Israël, effectivement, le peuple, tout cela a été complètement détruit. Vous vous souvenez? Amen. Dispersé sur la surface de la terre entière. Donc, effectivement, la nation d'Israël n'existait même plus. Eh oui. Et comme ils étaient dispersés, eh bien, la terre d'Israël, la terre de l'autre côté là-bas, a été répartie entre les nations. Les Anglais, les Français, les ceci et cela. Vous connaissez l'histoire, non? Aucun pays, aucune nation sur la terre ne pouvait plus jamais penser qu'un jour, que les nations comme la nation d'Israël puissent exister. Non. Parce que d'abord, pour que cela puisse exister, il faut d'abord que, quand un pays, par exemple, est attaqué, vous savez ce qui se passe effectivement, comme ici chez nous en Belgique, dans d'autres pays, lorsque les assaillants sont venus effectivement, ils sont venus effectivement pour pouvoir combattre, effectivement, ils ont occupé le pays. Et maintenant, vous savez ce qu'ils ont fait ici? Mais on a fait effectivement que soit on va cacher le roi ou le roi fouille et regarder quelque part. Parce que aussi longtemps que le roi est vivant, il représente quoi son pays? Donc, alors le peuple qui est dispersé a l'espoir que puisque le roi est là, si on prend notre roi, on le ramène chez nous, alors le pays va revivre. Parce que le pays va être autour du roi. Mais Israël, qu'est-ce qu'il avait? Dispersé, tout détruit, les temples étaient même plus. Donc, il avait même plus il avait pas de référence à Israël. Donc dispersé sur la surface de la terre. Votre attention. Il n'avait pas un président qui disait, ah, notre président élu est caché quelque part. Et je disais, non. Il n'y avait rien. C'est vrai, non? Tout détruit. Oh, les autres nations ont l'espérance, on espère que le roi, s'il est mort, il y a encore son fils, effectivement, quand il va rentrer, on va occuper notre pays, effectivement. C'est comme ça que Franco a fait, effectivement, avec l'Espagne, ainsi de suite, vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire quand même, hein? Bien sûr. Hein? Et c'est comme ça que les pays ont, parce qu'il y a une souche quelque part, pour Israël. Et la Bible dit que le Seigneur, l'Éternel, c'est lui le roi d'Israël. Alléluia. Et il a été dispersé sous la terre, il n'avait pas un roi naturel comme David, en tant qu'effectivement, non, il n'avait plus rien. Parce que les Romains avaient occupé effectivement, et puis dispersé, puis il n'y avait plus. Donc, les nations ont occupé. Donc, aucune nation, aucun peuple sous la terre ne pouvait un jour espérer qu'un septième de la vie. C'est pour ça que les Juifs, quand ils ont été dispersés, on a cherché à pouvoir les assimiler. Vous comprenez ces assimilés, non? Donc, faire en sorte qu'ils deviennent comme le peuple, les autres, dans leurs habitudes, la nation, effectivement, ainsi de suite. Donc, parce que dispersé, il n'y avait plus de. Mais pas penser qu'un jour, la nation d'Israël resterait et vivrait. Non, c'est pas possible parce qu'il n'y avait rien. Naturellement. C'est pour ça même les Arabes, quand ils ont mis la pire ottomane, ils se sont là, ils ont pu bâtir effectivement leur mosquée. Ils disent, mais ici, c'est chez nous. La preuve, c'est que voici notre mosquée. Et vous, vous voulez dire, il n'y a pas de temps. Nous avons la mosquée. Donc, rien absolument. Et puis la nation était d'accord, et puis ça arrangeait bien. Les accords qui étaient donnés, effectivement, tous s'entendaient bien. Donc, il n'y avait pas possibilité, vos oreilles ouvertes, s'il vous plaît, possibilité, effectivement, parmi les nations, qu'on puisse même penser que le juif, d'ailleurs, c'était même haï des nations, effectivement. Et ils cherchaient par tous les moyens à prendre les noms des nations, ainsi. C'est pour ça que vous avez les Bédouins, les ceci, les cela, ou les Vannes, vous savez, les noms allemands, les effectivement, etc. Parce que
Et puis, c'était, on a mis un autre, je ne sais pas comment on dit, pan-babidot. Et puis, tu vois, avec, et après, tu as un petit nom comme, et un petit Eli. Un petit Eli au coin. Et pour qu'on ne voit pas grand-chose, et on dit, mais, van-babidot, et puis, Eli. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas, pour ça, c'était des juifs. Les autres, parfois, ils ont même avalé, et puis, ben, Mikros-Boski, il vient de la Russie. Tu ne peux pas savoir qui me cause pour ce qui. C'est pour ça, les gens dans, comme en France, effectivement, il y avait un microscopie qui était assis là, et puis à côté de lui, il y avait un qui en France, il dit, oui, les juifs sont des. Ah, ah, ah. Ils ne savaient pas qui me cause pour ce qui. C'était juif. Ah oui, c'est vrai, frère. Donc vous les trouvez partout comme ça avec les pauvres parce qu'on les détestait. Et dans Jérémie, le Seigneur avait dit, moi qui ai dispersé Israël, alléluia, alléluia, la puissance, l'autorité de la parole de Dieu. Si il y a quelque chose qu'on peut dire, je veux mourir pour cela, mourir pour l'Écriture. Jamais pour un homme, mais pour l'Écriture. Mon frère et ma soeur, si l'Écriture est en toi, la mort n'a plus de pouvoir. Tu peux descendre, tu diras, mais comment tu as pris l'enveloppe? C'est normal, l'Écriture fait l'enveloppe autour de la terre. Mais ce qui est là-dedans, tu ne peux pas toucher. Contre toute attente, vous savez comment cela a été fait. Il n'y a pas eu un président qui s'est levé. Je suis le président des Juifs, je suis le roi d'Israël, le roi, je suis des Samaritains. Non. Juste un journaliste, Théodore Hertz, il s'est trouvé quelque part, il a vu comment on humiliait un officier, pas simplement il était juif. Cet homme, touché dans son cœur, effectivement, il rentre, il écrit le journal qui est The Judenstaat. Donc, la nécessité pour le peuple juif d'avoir un pays. Simplement ça. C'est comme cela que le mouvement sionisme a commencé. Dieu est vraiment le Dieu du ciel. Contre toute attente, mon frère et ma soeur. Il a dit, nation, regardez. Il fallait que les nations soient prises en témoin. Vous savez, non, j'ai mis dans Jérémie, hein. Jérémie 30, je pense. Verset 9, ils viennent en pleurant et je les trompe au milieu de leurs supplications. Tu les mènes vers les torrents d'eau par un chemin uni où ne chancelle pas. Car je suis un père pour Israël. Amen. Et Ephraïm est mon peuple. Nation, écoutez la parole de l'Éternel. Nation au pluriel. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël, amen, il les gardera comme le berger dans le son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Il le rassemblera. Amen. Il le rassemblera. Alléluia. Il le rassemblera. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Amen. Et il le gardera comme le berger dans son trône. Ah, mon frère et ma soeur, sans l'intervention d'un roi ou d'un président, simplement Dieu a voulu montrer l'autorité de sa parole. Et lorsqu'il dit une chose, cela doit réellement s'écouter. Et quand il l'entend, et c'est sûr et certain. Et cela, alors c'est ainsi que vous avez eu, vous tous, pu connaître effectivement ce temps où c'était chaud, les Anglais, les Français, ainsi les Anglais sur les territoires avec les situations des Juifs en certains moments. Et il a eu à pouvoir pousser la pression des parties d'autres qu'ils soient haïs, effectivement, ils soient régénérés. Parce que si tout allait très bien, les pratiquer, hein. Et il a fallu que Dieu utilise cet instrument de manière qu'ils soient vraiment sous l'oppression. C'est pourquoi quand vous êtes haïs, c'est bon. Quand vous critiquez, c'est bon. Quand on parle de vous, c'est bon. Parce que Dieu est en train de pouvoir travailler en vous. Pour pouvoir vous détacher de tout. Il faut que vous soyez déçus. Pour que vous soupirez à la patrie céleste.
Il faut que vous soyez déçus de tous les hommes. Amen. Pour que vous aimiez la misère. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Il faut que cela puisse arriver. Quand Dieu aime l'homme, il fera tout ce qui est nécessaire. Amen. Et c'est pourquoi dans les nations, effectivement, là, toutes les nations étaient au courant. Regardez comment Dieu fait les choses. Il a fallu que l'Allemagne monte, et puis là, que cette nation puisse faire trembler les nations, et que c'est par cette nation, effectivement, que les Juifs ont eu à pouvoir connaître, effectivement, autant de massacres. En fait, c'était aussi pour que les nations soient témoins. Et Dieu fait des choses d'une manière particulière. Que les nations soient témoins, en montrant effectivement que voici un peuple sans roi, sans président. Aïe, il n'est pas soutenu par qui que ce soit. Je suis le seul. Amen. C'est sûr et certain. Et les nations, effectivement, je vais être en bref, puis vous savez, ils devaient se réunir aux Nations Unies pour maintenant décréter maintenant le partage. On dit que non, on ne peut pas rester comme ça. Il y a quelque chose qui. C'est pas normal. On voit les gens qui sont en train d'être tués, et puis bon, ils veulent rentrer, il n'y a pas de place. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Le gouvernement de Sa Majesté, la reine est dit non. Non, non, nous avons le territoire où on va bien voir ce qu'elle dit. Et quelque chose dit non, non, non. Et on ne sait pas résister. Il y a quelque chose qui vient qu'on le peut dire. Quand la pression de Dieu vient, ça balaye tout sous le champ. Amen. Il y a enfin que les nations, toutes les nations, soient aussi témoins. Ah, il fallait que les nations existent. Tous sont rassemblés. Eh bien, on doit voter pour que, en tout cas, que ce peuple puisse avoir au moins une terre. C'est comme cela que la nation d'Israël. On leur a donné cette nation que là, pas parce qu'on voulait leur donner effectivement le pays de l'Ouganda, pour que ce soit pour eux, ainsi de suite. Ouais. Mais Dieu n'avait pas donné l'Ouganda à Abraham. Alléluia. C'était pas l'Ouganda. Non, 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 c'était Israël. Amen. Et l'an prochain, c'est comme cela qu'il disait, non, les sionistes, ont dit que l'an prochain à Jérusalem. Et dans Jérémie 31, c'est les sionistes, non? Donc nous monterons à Sion. Pas à Kampala. Non. Nous monterons à Sion. Amen. Alléluia. Mon frère, parce qu'on ne peut pas aider Dieu. Non. Oh, peut-être qu'il ne va pas réussir. Non, non. Il a mis Sion. Amen. C'est Sion. Connaître notre Dieu afin d'avoir une foi ferme, d'être sûr et certain, frère. Quand il a dit qu'il y a des saluts en aucun autre, pour moi c'est terminé. Amen. Tu peux m'amener de A, de B, de C, de X, Y, il n'y a pas. Je ne vois pas, je vois simplement ce que Dieu a dit. Amen. Je sais que si je le possède, j'ai la vie éternelle. C'est la vérité, frères et sœurs. Tous les autres sont des substituts que vous mettez en place. Nous avons besoin de l'argent. L'an prochain, Sion. Et certainement, ils devaient monter à Sion. Ils ont dit non, 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 non. Dieu ne nous a pas donné l'Ouganda. Dieu nous a donné Israël. Amen. La terre de nos pères. Mais vous ne pouvez pas, les Arabes sont là et prient. Non, 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 mais Dieu nous a dit que c'est là. Amen. Alors, quand Dieu est en action, le mouvement commence là-bas et ici, dans le cœur, on voit. Amen. Oui, frère, on va pas dire, oh, là-bas, les Anglais sont en train de... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglais se sentent mal à l'aise. Mais pourquoi? Parce que dans le cœur d'Israël, les Juifs dispersés, il y a un travail. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Nous devons retourner où? En Israël. Mais c'est occupé. Oh, Dieu a mis la pression. Amen. Alléluia. Alors le peuple a commencé à prier. Seigneur, ouvre la porte. Alléluia. Là-bas, il prépare déjà le cœur. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, frère. C'est absolument important. Amen. Amen. C'est une frère et soeur. Vous devez voir cela, mon frère et ma soeur. Aussi longtemps que les Amoréens et les Jébusiens occupaient encore les territoires, la flamme ne brûlait pas encore le cœur d'Israël. Mais quand le temps des Amoréens était accompli, lorsque Dieu a commencé à dire, ils doivent quitter, le réveil a commencé ici. Amen. On doit partir et Dieu a fait sortir. Amen. Ici, il faudra se chasser là-bas pour faire rentrer là-bas. Amen. Ça a toujours été ainsi le mouvement de Dieu. Amen. Il faut qu'on nous informe avec les journaux, qu'on va nous lire les journaux. C'est bien tout ça. Mais en
prophète, moi, où est-ce que je suis? Amen. Je veux, moi, je suis, je vais être concerné dans, le programme de mon Seigneur. Alors moi, je vais savoir maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que j'en suis avec toi? Je me fixe les regards sur toi. Je dois savoir aussi, effectivement, où c'est allé. Et c'est-à-dire que vous vous souvenez, comme je disais une autre fois ici, quand ils sont allés en Nations Unies, toujours là, toujours là. Les pays-là, comme les Arabes avec du pétrole, ils sont tous mis, effectivement, pour dire que non, on ne va pas donner à Israël. Nous, on tue, nous, c'est ci, nous, cela, on occupe là-bas, puis notre mosquée est là. Évidemment, on ne donne rien à Israël. Alors, parmi quelques délégués qui ont été. Puis là-dedans, ils ne savaient pas comment faire. Et puis là, Dieu dit, mais pourquoi effectivement nous souffrons? Et ils ont des gens qui les soutiennent, ils ont du pétrole. Ce que je vous dis, ce n'est pas que je raconte, mais ce sont des choses vraies, qui sont réellement passées. J'ai dit, moi, je peux vous les donner. Elle dit, mais pourquoi nous faisons souffrir? Et ils ont des gens qui les soutiennent à cause du pétrole, effectivement. Mais nous avons un soutien. Amen. Et bien, c'est la parole de Dieu. Allons-y là-bas, lisons-leur les psaumes. Montrons-leur les promesses de Dieu dans la Bible pour nous. Amen. Et ils verront effectivement que c'est un droit. Amen. Oui, frère. Amen. Ils ont pris les saintes écritures. Ils sont allés les voir. Ils disent voilà, vous nous parlez. Dieu nous a donné ça, 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 ça. Frères et sœurs, ça a changé les cours de Dieu. C'est à cause de ceci que je vote à tout le monde. Amen. Aussi vrai que Dieu est vivant, c'est vrai. Amen. Ils ont lu la parole de Dieu. J'ai les documents, je peux vous les faire. Ils ont lu. C'est pas. Oui, Dieu a la vie. La parole de Dieu. Il a l'autorité. Dieu a montré que c'est lui qui fait l'action. Afin que sans l'eau, on est en doute, mon frère. Même l'homme le plus incrédule, il puisse voir. Mais non. Ce peuple ici, frère, ils étaient minuscules, on pouvait les bombarder, les gazer. Il faut dire non. Mais Dieu a maintenu ça. Amen. Et ils ont pu avoir leur terre. Oh, amen. La terre d'Israël. Ils ont pu placer leur drapeau qui flottait là-dessus. Amen. La nation d'Israël, oh Dieu là-bas. Qui ne pouvait même pas exister, même pas dans la part d'un homme frère. Mais Dieu a fait en sorte que la nation d'Israël, non, il est Dieu. Amen. Il a vraiment aimé Abraham. Amen. Et il est vraiment fidèle à sa parole. Amen. Et connaître ce Dieu, c'est une grâce. Amen. Et ce n'est pas un Dieu historique, c'est un Dieu qui est vrai. Amen. Alors, remarquez très bien, frères et sœurs, que tout ce que Dieu fait, ce n'est pas pour faire du bruit, voilà, mais ça a toujours un but et c'est dans son programme. Un but et dans son programme. Et comme il avait dit, moi qui ai dispersé, frère, et oui, il a fait, effectivement, maintenant, pourquoi? Vous le savez, pour quelle raison? Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Vous savez, hein? Alors, vous savez que quand Israël était dans sa partie, oui, ils avaient dit que vous allez prendre possession, mais si vous vous détournez de l'Éternel Dieu pour aller vers d'autres idoles, eh bien l'Éternel vous fera partir de ce pays et vous irez en captivité. Vous vous souvenez, non? Chaque fois qu'ils se détournaient de Dieu, ils étaient pris et ils allaient en captivité. Puis quand le temps est retourné, fini, effectivement, on est retourné. Et quand il s'est retourné encore, il partait en captivité. C'est vrai, non? Oui, Dieu. Amen. Dieu fait toutes choses. On dit, mais pourquoi Dieu fait ça et pas la même ici? En fait, Dieu avait un plan. Un programme bien établi. Il partait, il ramenait. Et puis il fait encore partir, et puis il le ramenait. Mais dans l'écriture que nous avons lue avec vous, Matthieu 24, le Seigneur a décrit effectivement les événements qui sont en rapport avec le temps, et si vous avez bien prêté attention, par rapport avec la fin. C'est ça. Vous souvenez encore, non? Amen. Et puis, il a décrit effectivement en parlant, mais eux que vous voyez donc, assurément, qu'on va être édifié, donc, quand, dès que ses bras devaient étendre, donc le figuier dit effectivement, il s'agit d'Israël. Donc Israël qui revient effectivement dans sa patrie.
Et que les drapeaux flottent, effectivement. Cette génération qui vient là, effectivement. Dans la période dans laquelle cet événement-là va se passer, c'est pour ça qu'il en parle de génération. C'est dans ce temps que tout ce que j'ai eu à pouvoir vous dire, les soleils qui sont ainsi, les anges, effectivement, ça sera la trompette, ainsi, pour clôturer l'histoire, c'est pas ça. Je vais votre attention. Donc c'est ce que vous soyez sûr que c'est dans ces temps-là, dans cet espace de temps-là, que tout ça va s'accomplir la fin de cette journée avec les nations. Alors pour que vous puissiez bien comprendre, réaliser que cela est vraiment vrai, la vérité, regardez ceci. Dans les actes au chapitre 15, que nous avons lu avec nous, regardez. Nous relisons le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du bien d'eux un peuple qui porta son nom. » C'est-à-dire que Dieu s'est détourné d'Israël. Ça veut dire, il a tourné ses regards vers les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui va porter son nom. C'est pourquoi vous comprenez bien pourquoi le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ était tellement si important et aussi pourquoi c'était aussi accentué par le message du temps du soir, la restauration. Parce que Dieu a toujours désiré avoir un peuple parmi les nations. Or, dans les nations, ce sont des mélanges. Mais il va avoir un peuple qui porte son nom. Vous savez, lorsqu'un homme se marie avec une femme, la femme porte le nom de l'homme. Bien sûr. C'est vrai, non? Il n'y a même pas d'hésitation. La femme porte le nom de Dieu. Amen. Donc on l'appellera Madame. Donc c'est ça, donc. Un peuple qui porte son nom, ça dit que l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est cela, non? Amen. C'est clair, hein? Donc son épouse, donc, l'épouse à la soie. Amen. De porter les noms de son mari. Amen. Alors maintenant, regardez très bien, il a tourné le regard effectivement vers les nations. Hein? Parce qu'il est tellement heureux de voir comment Dieu a agissé par les nations. Il dit, mais ça, c'est le temps de la grâce. Il dit, mais depuis après cela. Et avec cela, verset 15, et avec cela, s'accorde les paroles de prophète selon qu'il est écrit, après cela. Alléluia. Amen. Après que j'aurai terminé effectivement avec les nations, quand j'aurai pris les derniers. Vous suivez? Après cela, lui. Je reviendrai et je relèverai de sa chute le temps, la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. Amen. Donc après avoir terminé avec les nations, vous suivez? Je retournerai donc là en Israël pour relever. N'est-ce pas vrai? Donc, au cas le Seigneur, notre Dieu, la parole du Seigneur puisse s'accomplir, puisque c'est vraiment, et la Bible nous dit, c'est quand il aura terminé, donc, la fin, il aura terminé avec les nations, il devra se tourner vers Israël. Donc, il fallait que la nation d'Israël existe en ces temps-là. Vous suivez? Donc, ça veut dire que, si la nation d'Israël existe maintenant en ces temps-là, ça veut dire que Dieu est arrivé une période où il doit maintenant terminer avec les nations.
Vous suivez? Aussi longtemps qu'il n'existait pas, Dieu continue encore. Amen. Vous suivez, frère? Mais puisque maintenant, la tente d'Israël, donc Israël est là maintenant, alors Dieu est censé pouvoir retourner vers Israël, puisque Israël existe. Prenons dans Amos, vous allez comprendre ça. Prenons dans Amos au chapitre 9. Amos. Amos au chapitre 9. Nous lisons. À partir du verset 9, oui. Amos 2, verset 9. Car voici, je donnerai mes ordres et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secourt avec les tribles, sans qu'il tombe à terre un seul plat. Amen. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par le paix. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. En ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Vous savez qui nous appelle. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Alléluia. Afin qu'il procède les restes des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Je veux que vous prêtiez vraiment attention. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Vous suivez? Amen. Alors prêtez attention. Ils établiront des jardins et en mangeront le fruit. Verset 15. Je les planterai dans leur pays. Amen. Je répète. Amen. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je les planterai. Et ils ne seront plus arrachés du pays. Frère, ça veut dire qu'il n'y aura plus notre débordation. Amen. Israël est retourné définitivement. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire, mon frère et ma soeur? Il y a bien 7 ans, j'ai dit. Quand c'était encore l'âge de Fès, quand ils peuvent être en dispersion. L'âge de Smyrne, il n'y a pas de problème. Mais en rapport avec l'âge de la Odyssée, c'est le dernier. Après l'âge de la Odyssée, il n'y a pas un autre âge où Dieu va traiter avec les nations. Non. Il faut qu'Israël soit là à sa place pour que Dieu maintenant termine avec les nations. Retourne en Israël. C'est pourquoi il ne peut plus y avoir une déportation pour Israël. Il ne va plus sortir. C'est terminé parce que Dieu maintenant retourne pour faire maintenant l'histoire. Amen. 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 La génération qui aura vu ça, dans l'espace-temps, mon frère et ma soeur, pendant lequel effectivement Israël a pu dresser son drapeau. C'est pourquoi je voulais toujours dire et répéter, frère. Il n'y a aucun pays, peu importe que la Russie se lève, qu'on nous parle que voilà, la Syrie maintenant, ça va flamber, ça va maintenant être. Parce que la Syrie, c'est toujours Israël. Ils peuvent toutes s'élever. La Russie avec toutes ses bombées et donner les ordres, comme il dit, je donne les ordres qu'on va faut laisser la Syrie et puis ça va embrasader le Liban. Et le but final, c'est ces petits pays. On va complètement arracher et détruire personne. Amen. Il n'y a personne, il n'y a aucun président, il n'y a aucun roi sur la terre qui peut détruire ça. Amen. Israël doit rester effectivement. Et frères et sœurs, vous savez, si Dieu est vraiment merveilleux, il pouvait peut-être y avoir à pouvoir penser que certainement,
Oui, avec aussi la technologie qui est aussi surprenant élevée aujourd'hui, les nations peuvent encore revenir encore rechasser, parce que voyez-vous ce qui s'est passé. C'est une logique normale, votre logique normale. Qu'est-ce qu'on nous montre aujourd'hui? Au jour le jour, effectivement, les Palestiniens, les pauvres bébés palestiniens, que le méchant monsieur d'Israël, un soldat qui bombarde, qui tire effectivement, en fait, il tire avec des balles en blanc. Et les petits là que vous voyez effectivement, oh, on a tué les petits, qui me disent, oh Israël méchant, oh Israël mauvais. Mais c'est pour aussi en fait mettre la haine dans le cœur des gens. Ce que vous ne savez pas, c'est que les Arabes sont vraiment des gens rusés. Hein. Vous savez ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font? Regardez. Ça c'est Israël. Comme ils sont là. Parce que d'abord, si aujourd'hui ils peuvent manger, c'est Israël qui donne du travail. Mmh. La nourriture, ça vous dit pas. Vous savez, ça c'est Israël. Eh bien, ça c'est la bande de Gaza. Vous connaissez comment elle est, non? Eh bien, tous les mots là, c'est aussi les mauvais là sont là maintenant. Leur désir, c'est de détruire Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent les petits enfants. Ils les mettent là. Et puis le vieux barbu là, avec son kalachnikov, il fait passer entre les petits. Trois soldats israéliens, tu avances, lui te tire avec des balles réelles. Mais toi, tu ne peux pas riposter parce qu'il y a des enfants qui vont. Oui. Parce qu'ils mettent quoi? Les petits comme bouclier. Donc maintenant, on doit accepter qu'on tue tous les soldats israéliens. Hein, parce qu'il ne peut pas envoyer une balle parce que les petits servent des boucliers. Et quand une balle perdue sort de tous les petits, je ne défends pas, il dit, quand la balle sort, tu... Oh! Les petits. Mais les petits là, c'est déjà un Moraya. Hein? Mais c'est vrai. Petit en Malaisie. Il a dit, hein? Ce pasteur-là, il est malade, c'est pas possible. Le monde a dit. Nous aimons tout le monde. Amen. Et je dis comme il était dit dans 1 Samuel chapitre 15. Oh, il est à la maman, le petit papa. Le Seigneur a dit. Même les bébés là qui. Mais maman, les bébés, c'est pourquoi Saïd, au lieu de pouvoir suivre ce que le Seigneur a dit, le cœur des gens, mais Saïd, tu es le roi, comprends quand même. Dieu a dit. Même les nouveaux bébés. C'est vrai, non? C'est comme ça que le Seigneur a. Donc nous devons prier. Et Dieu accorde. Amen. Nous devons comprendre, frères et sœurs, nous, où est-ce que nous sommes en rapport avec les choses de Dieu. Que nous soyons sûrs et certains qu'on ne répète pas, nous sommes à l'attente de la fête. Non, on doit comprendre. Amen. On doit être sûr et certain que certainement si Dieu a parlé. Parce que c'est vrai, si Dieu a pu envoyer un message, d'abord nous devons vous poser la question. C'est vrai, frère. Regardez très bien, frère. C'est quelque chose de tellement si important. Si vous remarquez très bien comment les choses ont été avec tous les messagers qui ont eu à pouvoir être envoyés pendant les âges, effectivement, il y avait quelque chose tout à fait différent des uns avec les autres. Et puis en arrivant maintenant à l'âge de la Odyssée, le dernier âge, là c'était encore tout à fait différent. C'était quoi ce moment-là? C'était effectivement que, donc, toute la parole de Dieu maintenant, qui restait en fait un peu. Maintenant qu'elle a pris réellement toute sa forme, en fait, c'est comme le grain. Quand on parle de la restauration, c'est de ramener la parole qui était au commencement. C'est pour ça qu'on dit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Donc la lumière qui était au commencement, celle qui a dit que la lumière soit, la lumière fut, c'est la même au temps de la fin. Donc Dieu dans toute sa puissance. Alors, les pauses du temps, la création sera. Alléluia. Oui. Amen. Mais vous savez que les apôtres avaient ça. Amen. Alléluia. Vous savez que les apôtres avaient ça. Amen. C'est pourquoi on vous amène à la foi. Alléluia. Alléluia. Un jour, l'apôtre Paul, pendant qu'on les a frappés, vous ne fatiguez pas votre vie. Pendant qu'on a les carreaux, je pense que c'est les carreaux dans cette ville-là, effectivement, on les a frappés là-bas parce qu'il est juste toujours là. Il n'aimait pas Paul. Il prêchait la parole de Dieu, les âmes. Ah, il le suivait tout. Oh non, il est contre Moïse. Disait le frère dans misère.
Et alors là, ils ont chassé, il a fui, il était dans une ville à côté, c'était du chaos, je pense, quelque chose comme ça. Et là, parmi les païens, et il était là, assis, effectivement, il était avec Barnabas, je pense. Et il était devoir prêcher la parole de Dieu. Et pendant qu'il prêchait, il regardait la foule qui était assise. Parmi eux, il y avait un important, boiteux de naissance. Donc cet homme, depuis qu'il est né, ses pieds sont toujours un coup qui vient dedans. Je crois que c'était aîné, je pense qu'on s'appelle son nom, effectivement, je pense qu'il est là, il est trop aîné. Et alors, Paul prêchait, Paul prêchait, l'atmosphère montait. Et Paul, c'est pour ça, frère, quand on vous dit, frère Léonard, il est toujours comme ça, c'est pas frère Léonard, quand on vous dit, faites attention, s'il vous plaît, Dieu sait ce qu'il vous dit. Amen. Amen. Cet homme qui était important, il écoutait la parole de Dieu, il pénétrait l'amour et l'attention tellement attirée. Et Paul a fixé du regard. Il a vu l'amour qu'il a pour la parole, le respect, l'attention, frère. Il s'est voulu parler. Il dit, aidez, lève-toi sur tes pieds. Amen. Il a simplement dit ça. Lève-toi sur tes pieds. Et c'est vrai. Amen. Dieu l'élite, tout bénit, il fallait prendre des choses pour nous. Il nous apprend des histoires. Je ne vois rien. C'est qui, non? C'est la Bible. Je crois que c'est ça. Je pense que c'est. Je vais vous dire ici. Ça te prie. Oui. 14. Acte 14. Chapitre 14 du livre, verset 1, je vais lire plus à l'autre. Aïkon, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crut. Mais ceux de Juifs qui ne crurent point excitèrent et virent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Aïkon, en parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fissent par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens, les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans la ville, dans les villes de Lyconie, et à Lystre, et à Derbe. Ils la rencontrèrent dans la tour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Verset 7. À Lystre s'est né assis un homme important de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Vous suivez? Et il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, c'est Amen. Donc la parole que Paul prêchait, ce n'était pas que les gens étaient comme ça, parlant dans les sons, non, ils ont saisi l'occasion. Parce que cet homme vient encore dire, nous on connaît nos hypnotiseurs là, parce que c'est des prières, vraiment, avec les gens qui venaient, les philosophes qui disaient, non, on connaît le philosophe, mais celui-ci. Non, cet homme-là, son cœur et son âme étaient tellement touchés. Et la Bible dit, mais Paul, fixant le regard sur cette personne, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. C'est bien. Il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, et dit d'une voix forte. Alléluia. Amen. Et il dit d'une voix d'autorité. Amen. Comme le Seigneur dit, Lazare, sors. Ah oui, ça, frère, ça, c'est l'autorité de Dieu. Amen. Dans son cœur. Amen. Et il dit d'une voix forte, effectivement, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bon marchand. Il a ordonné, hein. Amen. Lève-toi droit sur tes pieds, simplement en parlant. Et la parole a pris. Amen. 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 Simplement, en parlant, effectivement, quand Dieu remplit un nom, quand Dieu remplit un nom, il suffit simplement de dire Amen. C'est pourquoi, frère, et tous ceux-là qui vous disent, oh, ils vous aiment faire rassembler. Non, frère, vous devez tous chercher à ressembler à Christ. Amen. Votre vie, votre façon de parler comme lui. Amen. Tel maître, tel serviteur. Amen. Et c'est comme cela qu'effectivement, le Seigneur fait donc son travail par nous et accomplira certainement son œuvre. Alors, nous réalisons une chose. Que dans ce temps dans lequel nous vivons,
esprit fort. Nous sommes appelés à pouvoir réellement nous préparer. Et la préparation n'est pas une histoire. Ne vous laissez pas endormir par les soi-disant prédicateurs de messages, ainsi de suite. Nos frères et sœurs, le message est la parole véritable de Dieu. Envoyé uniquement au peuple véritable de Dieu. Et ce peuple, lui, il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il saisit réellement la pensée du Seigneur. Son Seigneur dans la parole. Et qu'est-ce que le Seigneur veut de lui? Et c'est ce qu'il est en train de faire avec toi. La Bible dit, mais sanctifie-les pas. Ta vérité, ta parole est la vérité. Il faut la parole de la sanctification. Pour que maintenant, le souverain lui-même vienne maintenant remplir maintenant, oui, son corps. Et c'est ça la visitation, mon frère. Et c'est cela, lorsque cette parole divine de Dieu, ramenée sur le chandelier et dans ton âme, toi, puisqu'il a la vie, qu'est-ce qu'elle devient pour toi si elle a la vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Laissez-nous te renseigner. Amen. C'est vraiment ton conseil. Et quand tu l'as réellement en toi, alors, peu importe l'endroit où tu peux te trouver. Amen. Que ce soit en Australie, ou dans la jungle le plus bas fond, je vais vous dire une chose, frère, qui est importante, frère et soeur. Si, je l'ai dit ici une fois, si ça choquait les amis, vous d'abord vous choquer. Si une soeur ou un frère se trouve dans le fin fond du village de Bakoto, pas le fin fond du village, vraiment là où il n'y a même pas d'accès, ou l'autre, effectivement, dans le fin fond du Mekong, en Chine, c'est rien au fin fond. Connu de Dieu, qui a eu la grâce de pouvoir entendre que Jésus-Christ est toujours le même, il est retrouvé éternellement, et qu'il a reçu de tout son cœur, mais qui n'a jamais entendu parler de jamais entendu parler de William Branham, jamais entendu parler d'un certain prédicateur. Et que, ayant simplement donné son cœur au Seigneur, et qu'il a expérimenté les baptêmes du Saint-Esprit, parce que moi, votre frère, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre à coucher. J'étais chez moi pendant 3 jours et 3 nuits, je gérais. Je n'avais pas un prophète, je n'avais pas un docteur, je n'avais pas un prédicateur. Donc je l'ai reçu. Amen. Amen. Donc si ces personnes-là, dans le fin fond, ont reçu, ils n'ont jamais eu à pouvoir entendre que Dieu a envoyé un prophète, un message notre soir, et que l'enlèvement vienne, il ne faut pas. Amen. Ce n'est pas le message qui t'avait donné. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Amen. Comment nous entrons dans le corps de Christ? Par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Oui. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Mais quelle grâce que Dieu nous accorde, nous, pour que nous puissions savoir que nous sommes nous. Pourquoi vous aimez tant le message? Pas le fanatisme de le message, la parole de Dieu, la lumière, pourquoi vous l'aimez? Pourquoi vous l'aimez? Amen. C'est ça. Parce que c'est que vous dites, c'est la vérité. Amen.
Et si les choses là sont vraiment à vous, alors vous aimerez pas n'importe quoi. C'est ça. Vous aimerez vraiment le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'homme, mais le Saint-Esprit vous a montré. Amen. Il a touché votre cœur à l'intérieur. Il vous a montré. Et vous avez dit, mais c'est vrai, Seigneur mon Dieu, mais il fallait que ça soit toi pour connaître ce que j'étais. Et c'est grâce à cela, maintenant que je suis devenu ce que je suis. Alors maintenant, Seigneur, je m'accroche à toi. Tu ne t'accroches pas à l'homme, c'est ça l'heure. Alléluia. Tu ne t'accroches pas à l'homme. Tu t'accroches à l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. En fait, ce qu'on aime dans l'homme, ce n'est pas l'homme. Alléluia. Vous voyez? Ce n'est pas l'homme qu'on aime. C'est ce qu'il y a là. Amen. Ce qui est dans l'homme correspond à ce qui est en nous. Amen. Alors, nous aimons. Amen.